Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godot TV. Yes, hey, c'est Question sur Gojo TV. Plus belle la vie, oh yeah, je veux la chanter tous les jours sur Gojo TV. Yeah, la lumière éclairera ton parcours. Microphone politique. Je suis Gilles Ververtier, responsable du stand du Parti communiste. Pour le stand de la Drôme, et donc notre rôle global, c'est d'être présent sur la fête, car la fête de Lima, c'est un grand rendez-vous populaire. Vous savez que toutes les organisations de gauche et progressistes sont présentes, et puis il y a d'autres associations type environnemental, type humaniste, type laïque, des associations aussi de solidarité internationale. Je pense à France-Palestine, et puis beaucoup d'autres liés au tiers-monde et aux besoins d'émancipation. Ce qui monte en ce moment, c'est évidemment l'urgence sociale, et avec Macron, ça devient plus qu'urgent, mais il y a aussi l'urgence environnementale, et on veut être bien présent sur le sujet, en sachant que, selon nous, l'illusion du capitalisme vert devrait s'éteindre, car il y a, à mon avis, obligation de faire et du social et de faire en même temps de l'environnemental. Alors du social au niveau mondial, hein, ça propose des prix rémunérateurs pour les peuples du Sud, les matières premières, les produits agricoles. Et bref, il faut qu'on sorte des simples logiques de marché qui sont, on peut dire, des logiques criminelles en ce moment. Habituellement, on a un peu de retenue pour parler aussi durement, mais franchement, certains gagnent beaucoup d'argent, et au-delà du fait qu'ils gagnent de l'argent, c'est pas le fait qu'ils soient riches, c'est le fait que la façon de s'enrichir pose ce problème. Moi, je suis pas outragé quand je vois qu'il y a des gens riches dans l'histoire, il y en a eu. Mais ce qui est grave, c'est que pour être riche, ils mettent des gens socialement à plat et ils mettent aussi des peuples, vous pensez notamment. Voilà, donc c'est bien la façon de faire qui est un problème. Que dans la société humaine, il y a une persistance d'inégalité ou d'injustice, ou de magouille ou d'arriviste. J'ai l'impression que c'est quand même la nature humaine qui est fortement ancrée. Mais ce qui est quand même grave, c'est que, par exemple, des biens communs comme l'accès à l'eau ne sont plus respectés. Bientôt, on va nous taxer le soleil. Non, là, c'est une blague. Mais l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, ça fait partie des biens communs de l'humanité. L'accès aux vaccins, sur la question du Covid. Donc là, se pose la question parce que les maladies circulent. Donc, et puis, si la misère avec le réchauffement climatique s'accroît, on peut compter une migration de centaines de millions de gens. C'est intenable. Intenable. Il faut donc bien qu'il y ait une régulation. Alors, certains vont dire une régulation du marché, une régulation douce. Mais ça serait déjà bon à prendre. Nous, on dit qu'il faut véritablement un changement de cap révolutionnaire, mais pas de la révolution il y a 100 ans. On change les priorités de gestion, on gère avec les gens, on change les façons de faire. Et ça, c'est forcément anticapitaliste et c'est très novateur. C'est vrai qu'historiquement, l'imagerie révolutionnaire, c'était un peu pas le même drapeau rouge en galère, mais ensuite, on était un peu plus faiblard sur la gestion. Hein. Mais aujourd'hui, ce qui compte, et notamment dans un pays développé comme la France, c'est notre capacité à mettre en place une nouvelle gestion qui est fondée sur l'intérêt général, qui est fondée sur la justice, évidemment. Et par conséquent, à partir de nouveaux pouvoirs pour que les gens puissent s'exprimer et puissent exiger un autre cadre.
aussi, et à mon avis, il y a beaucoup de monde disponible, si on arrive à se faire comprendre, pour que les grandes questions sociales, économiques, environnementales fassent un rassemblement progressiste, évidemment. Et alors, il y a la bagarre. Par exemple, l'extrême droite chez nous, elle dit ouvertement tous les problèmes, c'est les immigrés, les migrants, les musulmans, les islamistes, et patati et patala. C'est le couplet classique, ou les chômeurs qui sont feignants. Donc on cherche toujours un bouc émissaire, même si les choses sont complexes, mais en tout cas il y a bien volonté de détourner l'attention vers ces gens-là. On parle pas. Et moi je suis dit, et je retiens, c'est pour ça que je suis communiste, c'est que moi, l'existence du riche ne me choque pas énormément. Après, il reste à voir quel niveau de richesse. Mais c'est surtout cette façon de faire de la richesse qui fait qu'on plombe des peuples, on plombe des sociétés, on plombe des individus. Ouais. C'est carrément justement ça, c'est l'utilisation de l'argent. À quoi ça sert? Il y a un truc dans la culture chrétienne, on n'aime pas l'argent. Ça, les protestants étaient plus à l'aise. L'argent, c'est caca. Mais non, il faut s'emparer des questions de financement, des questions d'argent, pour imposer un cap de progrès. Alors avec Macron, il est bien évident, lui, c'est le marché va tout résoudre. On enrichit les riches et par ruissellement, les gens modestes vont en profiter. Et puis, pour résoudre les difficultés, c'est le marché qui va réguler parce qu'il faudra arrondir les angles. Or, ce que l'on constate en ce moment sur l'énergie, la loi sur l'énergie, gaz, électricité, le marché est un formidable échec. C'est grâce à ça qu'on a les prix qui s'envolent. Et c'est alors que le marché devait, la concurrence devait être un facteur positif. Qu'est-ce que vous pensez là de cette guerre Ukraine? C'est un événement très complexe, mais principalement c'est grave parce que c'est le nationalisme russe, le nationalisme à l'ancienne qui s'affirme. En même temps, il faut s'interroger sur les raisons qui ont fait que depuis 8 ans on en est arrivé là. L'OTAN a poussé ses billes vers la frontière russe. Gorbatchev qui est mort, il parlait d'une maison commune européenne quand il gouvernait. C'est-à-dire qu'il avait envisagé un travail en commun avec l'Europe. Quand il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, les vainqueurs, ils ont tout balayé. Et ils ont traité la Russie avec le mépris des vaincus. C'est quand même une erreur politique, ça. Actuellement, il est clair que ce qui est en place, c'est un nouvel axe géopolitique, c'est-à-dire que l'axe américain-Europe est un peu vassalisé, et de l'autre côté, un nouvel axe, Chine, Inde un peu, Russie, Afrique, parce que les Africains sont très loin de condamner l'agression de Poutine, mais en même temps, c'est quand même extrêmement périlleux, extrêmement dangereux et criminel. Mais, parce que dans la démarche de Poutine, il n'y a qu'une vieille visée nationaliste. Et le monde a besoin de coopération. On a besoin de mise en commun. Alors on peut baptiser ça un communisme, mais même s'il y avait des coopérations, des mises en commun, au niveau de politique agressive, chacun pour ça, ce serait déjà beaucoup mieux pour le monde. Bah, quelle télé, télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non, mais... Et par rapport à quoi? La musique, à tout, moi je mets tout. Bah, je peux dire que Billie Holiday, j'écoutais quand j'étais vers au lycée, j'écoutais en cassette, parce qu'à l'époque, cassette. Et donc j'écoutais en boucle, j'ai changé de côté, et j'ai adoré justement imiter. J'aime pas le mot imiter, il y a une négative connotation avec imiter, mais j'aime bien imprégner son style et ses émotions, et même si j'ai pas une vie triste comme elle,
Doudou, j'adore cette connexion avec la tristesse et la joie, parce qu'elle a les deux. Ouais. Et comme j'ai fait la recherche, j'ai réalisé qu'en fait, elle avait une vie où elle a mené sa vie comme elle voulait. Oui. Elle était une femme forte, même si elle a mené la mauvaise direction au bout d'un moment. Oui. Mais elle faisait ce qu'elle voulait. Et ça, j'adore les femmes fortes. Did I remember to tell you I adore you, and I'm living for you alone? Did I remember to say I'm lost without you, and just how mad about you I've grown? You were in my arms, and that was all we knew. We were alone, we two. What did I say to you? Oh, did I remember to tell you I adore you and pray forevermore you'll be mine? Oh,
Salut, je m'appelle Aylen et voilà, je fais de la musique, je fais de la soul, groove, en dérivé en tout cas. Je suis auteur-compositeur de Paris et c'était mon concert. D'accord. T'as pas un album Je suis en train d'enregistrer un petit EP de 5 titres. Ok. Et voilà. Bon. Tu me fais signe alors? Ouais, avec plaisir. Merci en tout cas. Merci, au revoir. Salut. Mon poème, ces embruns, si ces embruns échappant d'entre mes doigts rencontraient un gros nuage plein de désir, oh amour. كسحاب رجيم بلا وجل تمترين أيتها الحرب في أي دولاب يا ترى خبأت زينتك comme un maudit nuage sans crainte ni peur
tu fais pleuvoir. Ô guerre, je me demande où tu as caché tes parures. أوصفت دونك كل المنافذ من أي سقف ومن أي منفذ تتسلل أيها الحزن. À la différence de toi, moi j'ai verrouillé toutes les issues. Par quel toit, par quelle issue t'es-tu insinué, ô tristesse? بين أرجوحة الظل والظل هل يتهادى الوجد في مداك أيتها السماء؟ entre le balancement de l'air de l'ombre et l'ombre, est-ce que l'émotion vagabonde dans ton immensité, ô ciel? تطفو هائما على ذاكرة الماء، أي ريح بليلة صقلتك أيها الجسد؟ Tu flottes. Tu flottes errant sur la mémoire de l'eau. Ô corps, quel vent humide et frais t'a limé, t'a polissé. أيتها الروح، لما المرايا تشهق بالدم؟ Ô âme, pourquoi les miroirs absorbent-ils la lumière? مغل في البياض هذا الصفح، أين خبأت دموع الأرض أيها الغمام؟ Ce contrefort est troublant. Où avez-vous caché les larmes de la terre, ô vous nuages? Yeah, I will give you a CD if you want to. Yeah. Oh, okay. Hey, my name is Martin. I'm from a band called Chowwalker. Sorry, but what country? Czech Republic. You too. Eternal life, my tongues were so distant, like a single heart.
Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec l'association Cuba Lida. C'est une association qui travaille en solidarité avec le Cuba. Je vous laisse découvrir. Bonjour, eh bien, nous sommes l'association Cuba Lida, donc de voyage à Cuba chez l'habitant. Et donc nous sommes une association de solidarité avec à Cuba qui a besoin de solidarité, notamment par rapport au blocus états-unien qui dure depuis plus de 60 ans et qui rend très difficile la vie à Cuba. On est sur la fête de l'UMA comme tous les ans, et bien sûr nous vendons particulièrement le mojito qui est le cocktail principal de Cuba, et toute la recette qui est faite dans cet espace va à Cuba dans des projets communautaires lorsque nous faisons nos voyages avec les clients qui veulent aller à Cuba autrement que par des voyagistes classiques. Donc nous emmenons entre 3000 et 4000 personnes par an à Cuba en individuel. Nous faisons aussi des voyages plus organisés comme le 1er mai sur les traces de la Révolution, le voyage avec l'UMA. Et donc ce qui nous permet effectivement de faire découvrir Cuba autrement que par ce que les médias peuvent en dire, pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, mais rarement dans le bon sens. Vous touchez à la politique là quand vous dites ça? Fatalement, puisque le blocus est éminemment politique. Donc automatiquement, tout ce qui est en solidarité avec Cuba prend un caractère politique. Automatiquement. La solidarité n'a pas de frontières en théorie.
en pratique également. Et notre combat à nous, il est effectivement en direction des Cubains qui ont besoin de cette solidarité. Hein, c'est une île, 11 millions d'habitants, à 170 km du géant américain, qui leur rend la vie presque impossible. Nous sommes une association indépendante du Parti communiste. Maintenant que nous, moi personnellement, je suis militant communiste depuis plus de 40 ans, mais l'association, elle, est une association de solidarité. Donc la Fête de l'Humain, bien sûr, nous sommes partenaires de la Fête de l'Humain depuis longtemps. L'objectif premier, c'est de faire découvrir Cuba autrement, d'inviter les gens à voyager, à aller à Cuba, à voir d'eux-mêmes comment les choses sont, discuter avec les Cubains, rencontrer les Cubains. Et donc, le deuxième objectif, c'est la solidarité, entre guillemets, financière, puisque, comme je disais, toute la recette qui est faite là au bar, notamment au bar, sur la vente de cigares, va aller alimenter des projets communautaires à Cuba. On a deux projets majeurs là-bas, à La Havane et à côté de la baie des Cochons. En tout cas, merci. Vous avez les derniers mots. Vous dites maintenant ce que vous avez envie de dire. En dehors de la question, justement, sinon, le dernier mot que je peux dire, c'est que il se dit beaucoup de choses sur Cuba. Il y a une grande méconnaissance de la vie des Cubains, de l'histoire de Cuba qui est très particulière. Et j'invite bien sûr les gens qui sont intéressés ou qui ont envie de découvrir, venez. Notre slogan, c'est Cuba ne se raconte pas, Cuba se vit. Merci beaucoup. La faille. Bonjour. Bon, des lois qui nous divisent. Qui sommes-nous réellement? Des animaux? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La cour. La différence entre l'être humain et l'animal, c'est le choix. Le manuel de l'animal est inscrit dans son code génétique, donc son instinct. L'humain, quant à lui, quel que soit le système dans lequel il se trouve, il peut choisir. Choisir de dire oui ou non. Partir ou pas. Il a le choix. Prison à ciel ouvert. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Sur le mouvement qui des fois a des hauts et des bas, mais nous toujours la foi et donc voilà quoi. Et puis en ce qui concerne cette soirée de ce soir, donc journée de la femme, en réalité les femmes c'est tous les jours au combat. Tous les jours présentes aux côtés de nos hommes, à côté des hommes en règle générale. Et comme tu as pu voir,
une belle scène ce soir avec des talents différents. Vraiment, moi j'ai été agréablement surprise et puis bien sûr en clôture Jennifer Barrett. Vraiment, très bien quoi. Dis-moi, au niveau de la musique maintenant, tu es en studio, tu as déjà fait un album. Alors, ça fait longtemps qu'on me le demande, alors je vais vraiment me mettre dessus. Là, pour l'instant, mon actualité, c'est donc un morceau sur le Love and Vibes volume 3 de Raga de Force. Très très bonne compile, vraiment avec beaucoup d'artistes. Il y a à peu près 8 rythmes différents. Et vraiment, très sincèrement, je conseille de l'acquérir. Parlons de toi. Tu as une maison qui s'occupe de toi ou bien comment tu fais? Alors en fait, je me suis pas encore décidée. Je sais que ça fait longtemps que je tarde à faire cet album, mais c'est juste que c'est seulement maintenant que je me sens vraiment à l'aise dans ma voix. Et je pense que tout ce que j'aurais pu faire avant, j'en aurais été un peu déçue. Donc je suis contente d'être prête aujourd'hui. Et oui, je ne dévoile pas tout, mais bien sûr que je travaille et ça arrive. Hein. Ouais, bah, si tu as une maison derrière, si tu as la distribution déjà prête, bon, c'est... Et ben, en tout cas, je sais que j'ai au moins deux pistes là qui s'offrent à moi, dont une qui date. Et avant d'en parler, je préfère quand même que ça soit bien avancé et bien sûr que je m'en reviendrai vers toi pour te tenir au courant. Mais vraiment, Jeannot, j'espère que voilà, cette année, quelque chose va se concrétiser. Voilà. Gojo TV, yes. Big up. Oh, combien il est bon de te sentir près de moi. Ok, ben merci beaucoup et à très yes. bientôt alors. Yes, merci pour la France. Yeah. À force de vivre, de s'éteindre, les hommes n'ont plus aucun but. Vivre dans la science, c'est l'ignorant. L'envie n'est que reflet sans connaissance. Encore capable, encore capable de l'aimer. Pour sauver la terre, pour nous y arriver. Enfin comprendre le sens de cette vie. Enfin sortir des ténèbres de la vie. Peuple royal, et pourtant sans mécroire, engourdis dans la haine, dans l'ennui. Retrouvons la source, la divine vie. L'origine des choses, la divine vie. Changeons nos âmes avant qu'il ne soit trop tard. Changeons nos âmes. Changeons nos âmes avant qu'il ne soit trop tard. Changeons nos âmes. Sommes-nous encore capables? Encore capables? Encore capables d'aimer? Sauver la terre, pour nous y arriver. Comme les hommes, que s'enfant des lieux nouveaux, hors de science et religieux. Sauver la terre pour nous y arriver.
Jour des nations, humanité souffrante au souvent vivant, dans la mésentente, tous ces conflits, ces ouragans de folie, je voudrais bien pouvoir dire que tout ça c'est fini. Que tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini. Oh yeah. Tout ça c'est fini. L'interprète est l'armée de Jah, même si j'oublie la moitié des mots, alors on est mal barré. Donc l'armée de Jah, nous sommes l'armée de Jah. Everybody's singing, everybody dance. Yama yama rocks my life. Everybody singing, everybody dancing. Yama yama rocks my life. I sing it because my body has my no situation. Because of my body, shots ya, and now what I'm about to do is get old. I'm something for us, my man. Come on, here, take me to the end. Another week, I'm fishing now. Come on, hey. I want to start to do my head. Trouble me from this dream, I'll be mad. With the root of the tree, I'm never going to have. I'm feeling too much, fast, let's go. Yeah.
que le véritable justice d'égalité. Et alors moi, je peux tout faire, je peux plus ça maintenant. À bientôt sur GoJoTV.